Salut, bonjour. Avec notre envoyé spécial Bruce Schwartz de OVNI Québec Astronomie. Ou Bruce Sees All, que vous trouvez sur YouTube. On va aller sur la Lune. Je vous coupe le son. Là, ce qu'il filme, vous voyez ces petites lumières là? Vous voyez ces petites lumières là? Ça va à toute vitesse, hein, mais je l'ai mis en accéléré. Lui il les voit en passant au ralenti, en hyper ralenti, ces images. Eh bien, il a repéré une guerre. Il a repéré des manifestations martiales. Ou je ne sais pas s'ils construisent à coup de missile, les gars, là-bas. Regardez ça. À la gauche. Et ça avance. Continuez à regarder celle-là aussi. Il faut être vite, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est en français. Hein. Donc, vous pouvez aller sur sa chaîne. Il a une version française de ses vidéos. Assez souvent. Notamment celle-là. Il arrive à droite, mais il arrive à gauche. Mais continue. Il fait remarquer qu'en même temps qu'un ovni se manifeste quelque part, à un certain niveau visible, il se crée une autre image. Pas forcément image d'ailleurs, hein. Si ça se trouve c'est une navette ou autre chose. D'une part. Système de lumière. Les ovnis que je vois présentement sont reliés au sol ou sont... Et je ne sais pas s'il est de cet avis-là, mais pour moi, il y a une couverture holographique sur toute la Lune. Il y a un voile holographique. Que les ovnis, là, traverse à l'occasion. Alors, quand ils sont au-dessus, on les voit bien. Quand ils sont au-dessous, on les voit moins. Toutefois, Bruce arrive à passer à travers cette brume holographique. Connecté de manière avec le sol, parce qu'on voit l'interaction. Comment se fait qu'un ovni ralentit et arrête de se promener à haute vitesse, arrête d'une shot, et on voit l'illumination? Ben, ça, c'est parce que un système de propulsion qui devrait porter peut-être un autre nom, ce n'est pas de la propulsion, ça devrait être de la... Ah. Mais on voit l'OVNI continuer à s'attendre. La traction. Je vais vous expliquer pourquoi il se sépare en deux. Là, dans le centre, il est resté encore dans le centre. Mais un autre OVNI continue et ensuite, il est sur le sol. Il est déjà prêt à se promener sur le sol. C'est tout caché, c'est ce qu'il y a. Regarde à droite. Dédoublement. Paf. Là, vous l'avez bien vu, là. Alors, ça, c'était à propos des déplacements. Mais maintenant, il va nous montrer, je ne vais pas vous faire toute la vidéo, hein, ce qui se passe entre cet ovni, là, et sur le sol, à cet endroit, ici. Pourquoi? C'est qui? C'est quoi que je montre? Je ne sais pas c'est quoi que je montre. Je monte, qu'est-ce que je vois? Et l'ovni qui est là, qui est sorti d'un cadavre en passant, là, c'est vraiment... Il se fait tellement critiquer que maintenant, il dit, non, mais écoutez, bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que j'en ai pas la preuve. Par contre, je vais vous montrer ce que je vois. Hein. Après, à vous, suivant votre niveau de conscience et de connaissance, d'attribuer la bonne définition, mais bon. OK, l'ovni attend là, et à gauche, il y a une illumination du sol, une fumée qui se promène sur le sol. Et tu tires le sol? C'est quoi qui arrive exactement? Regardez comme il faut ici. On va le suivre, l'ovni, okay? Avec l'image, pour que tu comprennes exactement ce qui arrive. Regardez bien, c'est illuminé. Ce n'est pas des faces. Vous voyez bel et bien qu'au-dessous des nuages, regarde quelque chose à gauche sur le sol. Vous l'avez vu, je suppose. Je vais faire juste une vidéo avec ça. Tain, il y a une décollée, explosion, il y a une guerre, il y a quelque chose. Des fois, on parle d'une force massive, une énergie massive qui est en train de se faire garracher sur la Lune. Absolument. Hein. Il a mis le doigt sur quelque chose de super. Là. Ça fait un moment qu'il l'a mis. Tu vois l'explosion des milles et des kilomètres de large. C'est quoi terrible? C'est vraiment des explosions qu'on est en train de voir. Là. C'est pas pour rien qu'il y a de la fumée sur la Lune, je pense. Hein? Est-ce que ça se pourrait? Bon, j'attends avec impatience la révélation de comment est-ce qu'il parvient à de telles images. Parce que, bon, c'est bien d'avoir les images, c'est bien s'il veut la primeur aussi. Mais ce qui serait bien, c'est que tout le monde puisse accéder à ce genre de vision. Vous voyez? Cette démocratisation de l'accès à l'information. Déjà que, vu le prix des lunettes, ce n'est pas donné, quoi. Mais. Terrible, quelque chose, peut-être comme une guerre. Hein? Vous connaissez, on parle de terrible. Ben, je sais plus. Alors, au lieu de ça, on se retrouve plus ou moins face à des luttes entre
youtubeur, blogueur. Hey, là, tu l'as vu. On va le voir au ralenti, ce mec-là. Toutes ces luttes, ça régale le camp d'en face. Exceptionnel. On va le voir. Là, on va le regarder en slow motion, au ralenti. Wow! On voit que la brume, je pense que c'est plus fort que la brume, hein? C'est de l'âge sur le sol. Et là, tu vois la lumière. Il va vous montrer une petite séquence, comme des séquences photo. Aussi, qui réagit en même temps que la vie, ça peut être donné. Et là, il y a quelque chose d'autre. Et là, pow! La lumière disparaît du sol, la lumière aussi. De toute façon, ces lumières-là, rien que leur présence est tout à fait chelou. Qu'est-ce que c'est que ce genre de lumière localisée? C'est... Et tous ces objets apparaissent à l'entour de... Ben, bon, par exemple, hein? Voilà, ah, là. Tu le vois, là. Tu vois là, il y a un découpé de séquence. On le voit tourner. Tu le vois éclairé. Tu vois juste l'OVNI et l'objet qui touche le sol. Voilà. Bon, c'est vrai que je pourrais vous le mettre en ralenti, mais je vais vous laisser aller le voir en live sur sa chaîne aussi. Et ça, c'est d'autres genres d'images. Il faut laisser le temps à l'œil de s'y faire, hein, au cerveau. Et puis, même là, bon, en 30 secondes, vous reprenez la profondeur nécessaire. Parce que moi, là, je vois absolument les hôpitaux généraux avec... Le petit carré de bois. Ici, l'infirmerie centrale, on voit les ombres quasiment, les profondeurs. J'ai mon émissaire chat qui passe. Voilà, oui. Au rapport. Au rapport gratouille. Donc, on va revenir un petit peu sur... le découpé séquence, là, de photo. Je vais vous le mettre, allez, un petit coup ralenti. Je ne sais pas combien je suis, là. Pour le sol. Voilà, on va couper le son, là, du coup. Bon, il y a a priori, moi je dirais, combat aérien aussi. Il y a bombardement, combat aérien et chute d'un des ovnis. Enfin voilà. Et paf, tourne et crash. Pouf. Bon, voilà. Un peu plus loin, on a grandi d'ailleurs, hein, puisque ça c'est l'infirmerie centrale. Oui, oui, c'est là. Allez, une dernière image. Il me semble que c'est le cratère Aristarchus. Si, je suis pas sûr. Vous voyez cette définition des flux lumineux, des halos lumineux. Ce n'est pas un éclairage solaire, en tout cas. Alors, puisqu'on est dans le cosmos, on va rester dans le cosmos, on va rester dans l'univers électrique. On va aller voir Suspicious Observer. C'est son nom de YouTube pour Ben Davidson. Et le 8 août, là, il est en colère. Pourquoi ? Mais parce qu'il s'est rendu compte que sur Facebook, il n'y a que lui qui pouvait poster, qui pouvait lire ce qu'il postait. Lui et sa femme. Qui a un autre compte. Elle arrive à lire ses posts, mais pas le public. Il a fait 11 tentatives. Chacune s'est avérée infructueuse. Donc, ça fait déjà une année qu'il est bloqué sur Twitter. Maintenant, il commence à être aussi sur Facebook. Il se dit que s'il y a des blogueurs qui pouvaient reprendre le phénomène et voir s'ils pouvaient le joindre et tout ça, ça pourrait être intéressant de mettre encore ça au crédit des gentils services généreusement rendus par ces grandes compagnies de merde. Alors, sa femme dit, mais ça, ce n'est pas un problème d'algorithme, ça, c'est juste une intention particulière de censure. Il faut dire qu'il a entamé... Il n'a pas entamé, il a perpétué une lutte
contre l'establishment académique au niveau des notions d'univers électrique, justement. Et il les reprend, hein, il les remet à l'heure. Il a raison, quoi. Il met les points sur les i de la science, sur le i de la science. Il a remis en place les escrocs du GIEC avec les vraies données qu'ils ont admises aujourd'hui, mais qui ne seront admises par les médias, si elles le savaient, si elles l'étaient, que l'année prochaine. Et les plans des politiques qui ont été basés sur les fausses données, ils sont encore signés là. C'est n'importe quoi, on vit n'importe quoi. On a l'erreur, on a les fautifs, on reconnaît, mais on n'admet pas, quoi. On passe pas à la réparation. Réparation des dégâts mentaux déjà, et surtout une autre élaboration de politique sans CI. Donc soleil très calme, sauf là, ouais, et là il y a eu une petite impulsion là. Celle-là. C'était dû à une explosion de ce petit spot là. Le truc intéressant, c'est que ça a explosé au moment où il y a eu un gros drôle de passage. Là, à côté, vous allez voir, le long de cette diagonale. Là, vous voyez, tac, 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 tac. Là, on a grandi, il est ici. Ouais. Il n'a pas l'air affecté par la gravité solaire ou le vent solaire qu'il traverse. Enfin, s'il est au niveau du soleil. Et hop, quand on regarde de près ce machin-là, alors là, je vais vous mettre quand même au ralenti. S'il est là, et ce qu'on peut voir, c'est que c'est au moins deux objets qui se suivent, restant parfaitement alignés l'un derrière l'autre, ou qu'ils aillent, et ils vont tout droit. Moi, j'en ai vu trois, hein. Je dois dire, il y a une image, voilà, là, ça se sépare, là, déjà. Ah, mince, c'est pas ça, c'est ici. Là, c'est encore plus net, la distinction entre les deux. Donc, il y a trois objets alignés. Et c'est à ce moment-là que ça a provoqué, enfin, c'était synchrone avec l'explosion solaire qui a fait le petit spike. Donc, un petit papier sur la recherche de la matière noire dans le halo. Il n'y en a pas. Bon. Vas-y, cherche encore la matière noire, les autres. Là. Énergie noire, matière noire. Ils passent des milliards de dollars dans des projets qui ne servent à rien. Ils ne trouvent pas, c'est à peu près normal, ça n'existe pas. C'est en face de leurs yeux, ils ne le voient pas. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne veulent pas. Si on comprend que l'univers est électrique, on comprend Tesla, on comprend qu'il y a de l'énergie partout, on comprend tout à fait autre chose dans notre configuration. Et on n'est plus bloqué derrière les racketteurs énergétiques, gaz, pétrole, hein, et les complexes militaro-industriels associés, notamment la chimie. Et sa branche Big Pharma. On peut donc reprendre le cours normal d'une évolution de civilisation galactique. Bientôt. Et vous savez que la cosmologie classique, l'astrophysique, elle a déterminé des red et blue shift, c'est-à-dire des variations de l'image vers les infrarouges ou les ultraviolets qui définissaient finalement si la galaxie s'éloignait ou se rapprochait, enfin, si l'objet lumineux s'éloignait ou se rapprochait. Et là, il s'avère que la densité d'atomes polarisés au sein de ce milieu fait varier ce redshift, cette nuance rouge là, en l'occurrence. Donc la donnée qu'on estimait valable pour juger de l'éloignement ou du rapprochement, il y a plus ou moins de la vitesse de l'objet céleste et lumineux, elle n'est pas valable. Bon, ça embête tout le monde, hein.
On ne sait plus à quelle distance on est des autres étoiles dans l'univers. En bref, hein, si j'élucube pas trop. Donc la concentration d'atomes d'hydrogène augmente le redshift. Donc ce qui nuit aux notions mainstream de distance et de temps. Et il continue sur l'étude d'une naissance d'une étoile en ce moment. Là. Voilà. Bon, passionnant, hein, Suspicious Observer, une chaîne quotidienne, des fois bi-quotidienne, intelligente, voilà, qui parle de tout. Aujourd'hui, d'un ovni. Et de sa censure. Et de l'univers électrique, et de la matière noire. Donc, on voyage hein, chez lui. Hein. Bon. On va peut-être continuer avec une autre vidéo du Thunderbolt Project, basée sur l'univers électrique, avec ce problème qu'ont la science officielle, mais c'est quand même majeur hein, comme problème. Avec notre Soleil, qui atteint une dizaine de millions de degrés en périphérie de sa magnétosphère proche, de son héliosphère proche, enfin, je n'ai pas le bon terme là, mais bon, et qui, plus on se rapproche de sa surface, on se refroidit. On est à 10 000 degrés, et même moins, 5-6 000. Et la partie sombre des taches solaires, qui commence à peine à réapparaître, est quasiment froide. Bon, il y a de l'eau qui en sort aussi, mais de l'eau, on en trouve partout parce que c'est un mix entre les atomes d'oxygène présents dans le milieu et les rayonnements solaires qui sont des atomes de protons, enfin des protons d'hydrogène, des atomes d'hydrogène, des protons. Alors, il y a association, et paf, pouf, paf. Donc, on peut trouver de l'eau à peu près partout. Le dégazage des comètes aussi en eau se fait en partie par ce biais-là. Et la réception par la comète ou l'astéroïde de rayonnement solaire. Alors, ils estiment quand même que c'est un problème, hein, le fait que plus on s'éloigne de la source de chaleur, plus il fasse chaud pour le Soleil. C'est un des problèmes les plus vexants de l'astrophysique. Donc, avec la version de l'univers électrique, tout s'explique. Hein. Mais ils ne veulent pas l'entendre. On explique ça, on explique qu'on n'a pas besoin de matière noire, d'énergie noire. Voilà. La forme des galaxies, tout, vraiment plein de choses s'expliquent. L'univers électrique, la création de la végétation, les inflorescence, c'est pas le mot, je pense. L'arborescence, en tout cas, le bronchique ou d'une feuille, ou... Enfin, le taux électrique nécessaire pour qu'une cellule aille bien, qu'elle se répare, pour qu'elle procrée. Pour que... C'est passionnant. Donc, le pH du corps, globalement, pour être en bonne santé. Il faudrait citer le docteur Donald Scott, qui participe très souvent au Thunderbolts Project, à leur conférence, qui est un spécialiste du Soleil, notamment donc dans l'univers électrique. Il est surpris par à quel point l'Académie reste bloquée, primitive, et à quel point en plus les mainstream sont encore loin de la vérité. Donc le public. Hein. C'est un problème que ces spécialistes de la NASA soient aussi loin de la vérité dans leur discours au public. Toutefois, la semaine dernière, une chaîne australienne a s'est servi des éléments découverts et avancés par les tenants de l'univers électrique pour faire un gros titre, disant qu'une sonde solaire avait pris des images un peu plus près du Soleil, révélant des sortes de feux de camp à la surface. Feu de camp, c'est une image. Hein, c'est une image. C'est comme si à des endroits, il y avait une combustion soutenue qui ne bouge pas. Comme si on avait fait un feu de camp. Quoi.
Et c'est un phénomène plasmatique, hein. Voilà. L'idée, c'est que cette notion moderne et juste, a priori, parvient quand même dans les MSM, mais pas par le biais des compagnies américaines, mais d'une australienne. C'est une succursale, mais bon. Il faut constater aussi à quel point, pourquoi, ils réfléchissent avec l'ancien système. Pour eux, c'est quelque chose qui brûle, le campfire, le feu de camp. C'est quelque chose qui brûle et qui provoque de la chaleur. Il y a une combustion de quelque chose. Tandis que avec le phénomène électrique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une combustion de quelque chose. Bon, ce n'est pas le même état d'esprit. Et ils ne l'ont pas encore le bon, quoi. Or, depuis les années 70, Ralph Jurgens avait sorti des études, un bouquin, sur le soleil électrique. Et les tenants de l'astrophysique acceptée, entre parenthèses, l'académie, les quacadémiques, ne veulent pas admettre l'existence même de ces personnages, le docteur Scott, Jurgens. Ça va se finir en justice. C'est pas possible. C'est une religion scientifique, c'est pas de la science. De rester fermé à un domaine de recherche, c'est pas un esprit scientifique. D'une part. D'autre part, il y a manque à gagner de la part de ces gens-là qui n'ont pas le droit au chapitre, et il y a manque à gagner de la part de toute la société qui est ralentie derrière des concepts dépassés et faux. Et là, on peut faire une action de classe, là, comme on dit aux États-Unis, mass action. C'est une catastrophe au niveau de la civilisation tout entière, humaine, terrestre. Toute la Terre peut porter plainte. Et contre Big Pharma aussi. Ben bon, demain, on va faire une pétition. On va demander la permission de faire une pétition. Cette augmentation de température est due à l'accélération d'ion positif au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la surface du Soleil, d'où il part à peu près à 6000 degrés, et en passant par 4000, puis arrivé à 10000, et par la suite à 1 million de degrés. Donc plus vous éloignez du feu, plus il fait chaud. C'est bien, c'est pratique l'hiver. Avec des erreurs comme ça dans le concept, ces gens-là tiennent la science d'aujourd'hui. T'en es mal, non? Ils trouvent une formule pour redresser la faute. Et en plus, ils nous empêchent de parler, d'émettre d'autres hypothèses. Et ça a touché tout le monde, hein, la presse, les écoles, les facs, les profs, les journalistes, les voisins. Ils croyaient tous que le soleil, c'est une explosion atomique continue. Alors que s'il y a des explosions atomiques continues, c'est la suite de l'effet solaire. Où on peut trouver des rayonnements semblables. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même état d'esprit. Déjà aussi le fait que la presse parle de ce phénomène en disant que c'est une nouvelle preuve signifie bien qu'elle est encore bloquée par le mystère de ce réchauffement de la couronne solaire. L'ancien état d'esprit. Pas l'ancien, l'académique, on va dire, hein, parce que les ancêtres, ils savaient plus de choses que nous. Le titre de l'article de Ralph Jurgens des années 70-79 est « La photosphère, est-ce le sommet ou le fond du phénomène que l'on appelle le soleil ?» Enfin bon, ça nous donne quand même donc
50 ans plus tard, ce genre d'interprétation. Alors, il nous... Campfire, c'est cette petite flamme de lumière blanche là qu'on voit, là. Genre, et qui va rester de photo en photo. En fait, c'est l'extérieur d'un vortex plasmatique, magnétique, un truc dans le genre. C'est la cathode, la couche cathode, ou anode. Or, Jürgens, dans les années 70, disait que c'était des fontaines d'électrons et que ça permet de maintenir un champ électrique photosphérique à la surface. On parle aussi du phénomène de double couche, etc. Et ce monsieur à l'écran, Irving Langmuir, a publié ses études en 1929, il y a 90 ans à peu près. Hein, à peu près. Bon. Il a même eu le prix Nobel en 1932. Mais bon, les académiciens d'aujourd'hui n'en ont jamais entendu parler. Voici un agrandissement d'une de ces fontaines. Le feu de camp, là. Toujours des photos magnifiques. Hein. Pour moi, c'est magnifique. Du soleil. Là, c'est vu avec Google Street, hein, quand vous descendez, là. On comprend mieux Gauguin, Van Gogh, Van Gogh, Van Gauguin. Bon, ces petits jets, ils font juste une petite centaine de kilomètres de long. Des fois, jusqu'à 6000 kilomètres de long. Et se déplacent à plus de 100 kilomètres par seconde. Ils ne sont pas statiques, en fait. Les feux de camp, là. C'est des études qui étaient faites en parallèle à d'autres recherches, telles que celle de Pierre et Marie Curie sur les énergies atomiques nucléaires. Et ils ont préféré expliquer par le biais nucléaire l'extrême chaleur et durabilité du Soleil que d'adhérer à la version électrique de l'explication de la chose, d'une part, mais en même temps, on est passé chez Pasteur au lieu d'aller chez Béchamp au niveau de la biologie et non pas de la chimie. Big Pharma étant chimique et non pas biologique. Enfin, se mettant maintenant à la biologie par le biais de l'eugénisme en plus. Waouh! Et on a oublié Tesla et on a été chez Einstein. Et ont été mis aussi en évidence, enfin pas en évidence, mais en pratique, je crois, la théorie de l'évolution, je vais dire. Alors, à cette période du siècle-là, c'est un carrefour de pensée qui nous a éloignés de la vérité dans de nombreux domaines. Il s'est passé quelque chose. C'était un plan. Non ? Il faudrait voir ça dans la lettre d'Albert Pike à Manzini. S'il en parle. Et puis, je mettrais bien un petit grain de sel à propos de cette attaque au Liban. Il y a des gens qui voient ici là, un ovni ou une sorte de drone. Vous voyez là, un petit point, là, en effet. Il y a des gens qui disent que c'était proche d'une banque Rothschild. Ouais. Donc, ça pourrait être une attaque sur les Rothschild. En effet, c'est d'autres sources aussi qui disent ça. Un immeuble démoli à proximité porte l'inscription Un monde nouveau, numéro 8. C'est pas dit que ça ait un rapport, hein, mais bon, indice, on va dire, possible. Alors, la carte. On dit qu'il y a une onde sismique équivalente à 4.5. Ça m'étonne quand même. On avait des vues dans l'eau, là, l'eau, elle ne branche pas. Ça m'étonne. Moi, je trouve que l'explosion a été très aérienne. C'est un petit peu comme s'il y avait
répartition d'un gaz et après ce gaz s'enflamme à une vitesse où les molécules dépassent la vitesse du son, ce qui provoque cette vaporisation qui s'évanouit très rapidement. Un petit peu comme quand on passe le mur du son autour des zingues. Donc, il va aussi comparer ce test à un test d'armes à énergie dirigée. Quelque chose qui était filmé par des militaires eux-mêmes. Donc, c'est une énergie transmise par laser qui augmente la température de la cible jusqu'à la détruire, voire même en causer l'explosion, due à l'accumulation rapide d'énergie sur une courte période de temps. Il dit qu'il y a des similarités qui sont quand même trop proches, trop notables pour être ignorées. Donc, on le met en vitesse normale. Si vous constatez, ça continue de péter là, dans l'usine. J'ai d'autres vues aussi où on voit de plus près encore que ça pète. Bon. Ce qui m'étonne quand même, c'est la manière dont le sol semble se soulever. L'onde sismique, bon. À proximité, là, je veux bien quand même, et une onde de choc. Mais les bâtiments ne sont pas détruits. La poussière est très localisée. Et ça, c'est le test d'armes à énergie dirigée. Et vous allez voir le vaisseau, donc je me mets de l'autre côté, vous allez voir le faisceau frapper en direction des 11 heures, en provenance des 11 heures. Paf ! Il a frappé. Il a frappé d'ailleurs à côté, on dirait. Et ça donne ça par la suite. Ça donne cette même vaporisation que j'appelle. Je dirais même l'explosion elle-même a les mêmes couleurs. Le nuage, les nuages. Un noir, un brun. Bon, il y a quelques petits bouts qui tombent là. On s'en fout. Voilà, là, ça va être au ralenti, donc je vous le mets normal. Là, le coup de rayon, paf, l'explosion. À proximité, je dis, c'est pas au même endroit. Bien. Il nous fait un rapport avec d'autres explosions qui ont eu lieu dans les dernières 48 heures. Aux Émirats Arabes Unis, en Irak, au Minnesota, à Wuhan, croyez-le ou pas, et à Yezhan, en Corée du Nord, ainsi qu'à Beyrouth. Bon, pas les mêmes genres, forcément. Hein. Donc, ils se demandent, est-ce qu'on va avoir encore d'autres explosions dans le genre ? Pour lui, le Covid-19 est en train de cacher autre chose, ne serait-ce que le scandale de Pedro Wood. Le monde se réveille plutôt rapidement. L'orage sur la zone 51. Le lockdown, la quarantaine, je peux écrire là où on me dit d'écrire, sur ce qu'on me dit d'écrire. Il se passe quelque chose autour de la zone 51, peut-être aux États-Unis. Pour lui, c'est un multiple. Alors pour moi, hein, on n'oublie pas, il y a une nanotechnologie. Rappelez-vous les spécialités du docteur Lieber, nanotechnologie et microbiologie. Nanotechnologie en rapport avec la 5G qui se développe constamment et l'avancée de l'intelligence artificielle dans tous les domaines,
et aussi commerciaux, hein, par Huawei, qui se fait une voie directe jusqu'à Londres, la rue de la soie, revue et corrigée, et le backdoor, par le biais de la 5G, de l'intelligence artificielle, et de Huawei, et d'autres. Donc, ces lois qui passent pendant que certains hommes politiques qui étaient opposés sont mis de côté, d'une manière ou d'une autre, c'est assez intéressant aussi de voir le paysage comme ça. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Ah, j'avais d'autres vues aussi où on voit un missile, mais pour moi, image par image, le missile, il ne se suit pas. Il ne suit pas bien dans l'image, il ne suit pas la bonne trajectoire. Il manque sur une image sur deux. Il n'a pas la bonne taille lorsqu'il y a un zoom après sur une autre vue. Et il a trop de délai avant l'explosion. Et l'explosion, ce n'est pas vraiment une explosion. C'est pas une explosion. C'est une inflammation d'un volume qui est déjà prédéterminé. Ça allume d'entier, parfois. Ça ne fait pas ça. Ça part de là. Plus cet effet qu'on retrouve dans d'autres phénomènes. Voilà. Oui, non, c'est intéressant. Mais si on met un missile, on met quelqu'un qui a lancé le missile, on donne une intention, et la zone est une poudrière. Entre deux prophéties nonchalantes, en plus. Donc, il faut vraiment avoir le doute avant de faire l'analyse, presque. Hein. Tellement critique que ce serait tellement intéressant. Mais bon, je n'avais pas vu le drone. Sur certaines images, je ne l'ai pas. Sur d'autres, on a autre chose. Et pas au même endroit. Bon. En tout cas, c'est marrant, les remote view l'ont vu arriver. Ils ont vu la bombe, on va dire, hein, arriver dans un container. Alors, est-ce que c'est la bombe qui s'est fait allumer par le rayonnement qu'on ne voit pas? On n'a pas vu de rayonnement, là. Ils ont peut-être amélioré leur rayonnement, il n'y a plus besoin qu'on le voit moins. Je ne sais pas. Allez savoir. Bien, alors donc, bon courage. Gardez les yeux ouverts. À très bientôt. Salut.